Ça fait 30 minutes que votre collègue me fait poireauter. Vous pensez que j'ai que ça à faire? Je suis désolé pour l'attente, mais j'aurai besoin de quelques éclaircissements sur un compte bancaire qui a été ouvert le mois dernier à votre nom. J'ai un compte bancaire à mon nom, et alors? Votre mari était-il au courant? Bien sûr. On a décidé ça tous les deux. Ce que je comprends pas, c'est que votre établissement était au bord de la faillite. Vous risquiez de tout perdre. Pourquoi ne pas avoir utilisé cet argent? C'était de l'argent au noir. Si on l'utilisait, le fisc allait nous tomber dessus. Ne devait-il pas plutôt servir à votre projet de fuite avec votre amant, Philippe Morel? Philippe, mon amant? Mais vous rigolez ou quoi? Bon, on arrête de jouer, Madame Leroy. Philippe Morel a confirmé votre relation. Quoi? C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je pense qu'une petite confrontation serait instructive. Bon, c'est pas la peine. Oui, j'avais une relation avec Philippe Morel. Avez-vous prévu de partir avec Monsieur Philippe Morel? Oui. Est-ce que votre mari était au courant de l'existence de ce compte bancaire? Non. D'où provenait l'argent? Ben, c'est moi qui faisais la clôture de la caisse chaque soir. Et du coup, je me prenais une petite somme pour moi. Et votre mari ne s'est jamais rendu compte de rien? Vous rigolez. Il était nul en comptabilité. En plus, il me faisait confiance. J'ai eu connaissance d'une assurance vie sur la personne de votre époux, dont vous êtes la bénéficiaire. Vous confirmez? Oui, mais ça, c'est Didier qui a voulu prendre l'assurance. Au cas où il lui arriverait quelque chose pour me protéger. Pensez-vous que votre mari était au courant de votre relation avec Philippe Morel et de votre intention de le quitter? Non, il n'était pas au courant. Mais si vous pensez que je l'ai assassiné pour rejoindre Philippe, vous vous trompez, hein? C'est du grand n'importe quoi. C'est une hypothèse qui reste crédible néanmoins. Surtout que vous et M. Morel ne semblez pas vraiment bouleversés de la mort de votre époux.